Alors je m'appelle Sébastien Marsay, j'ai 36 ans. J'ai commencé par le circuit Mini 650 comme beaucoup de coureurs. Et il se trouve que j'ai eu la chance d'intégrer ensuite de grandes équipes de course au large telles que Groupama Sailing Team avec Franck Camas, Spindrift Racing et Team LV Medica. Ça m'a amené à faire deux Volvo Ocean Race et une tentative de trophée Jules Verne notamment. Beaucoup d'autres records de course et de régates. Le Vendée Globe, pour moi, ça représente déjà mon objectif principal aujourd'hui. Tout ce que je fais est guidé par le fait de vouloir m'aligner au départ du Vendée Globe. C'est un challenge énorme. Je dirais, quelle que soit la génération de bateaux sur laquelle on part au départ du Vendée Globe, c'est relever un challenge à la fois individuel, parce que c'est une course en solitaire, mais aussi collectif, parce que d'abord, il faut le préparer avec une équipe, avec des partenaires. J'ai aussi un objectif à travers mon projet de course au large d'impact, notamment sociétal, avec un soutien fort au fonds de dotation Handicap Agir Ensemble, qui est le fonds de dotation de l'ADAPI de Loire-Atlantique. C'est une association qui accompagne plus de 3000 personnes en situation d'handicap mental et psychique. Cap Agir Ensemble regroupe aujourd'hui mes partenaires. J'ai la chance d'avoir des partenaires engagés, du cabinet de gestion de patrimoine indépendant à la PME d'une cinquantaine de personnes qui m'aident aussi à porter le projet et qui m'apportent leurs compétences. Et donc ce collectif est fait pour grossir, pour accueillir de nouveaux partenaires, de nouvelles entreprises. Il est aussi compatible avec le nom et l'arrivée de partenaires titres auprès desquels on peut s'associer dans le futur.